Un essence de livre, c'est une amitié en fait entre Véronique et moi et une même façon de voir la vie. Parce que pour nous, elle a une grande valeur que nous allons raconter dans ce livre. L'histoire de Chapiteau, c'est l'histoire d'un enfant dont le monde est le monde du cirque et qui raconte comment son père un matin a perdu son nez rouge. Et donc un jour, il décide de partir à la recherche de son nez rouge. Et c'est le début de la catastrophe pour le cirque. Jusqu'au jour où la clé magique est trouvée et en fait, la vie continue. Dans les moments tristes de la vie, il existe toujours, quelque part autour de nous, une clé magique qui permet de transformer ce que l'on vit, d'en sortir, de s'évader, et qu'il suffit de la voir. Et souvent, les enfants et les clowns y parviennent plus facilement. Quand on perd quelqu'un ou quelque chose, la première réaction, c'est de pleurer sur son propre sort. Et en fait, la clé magique, c'est ce qui permet de s'apercevoir que la vie continue et que c'est le plus important, c'est qu'elle est belle. Le cirque, c'est mon univers, c'est le monde que je connais le mieux depuis que je suis petit, qui m'a fait rêver depuis que j'ai 5 ans, 6 ans. Et donc pour moi, c'est le monde, en fait, tel qu'il est. Jean Léonard a un univers qui est celui du cirque, qui n'est pas du tout mon imaginaire. Et aller me promener dans cet imaginaire-là, c'était vraiment une ouverture très réjouissante. Nous avons tous les deux eu envie de ce même mode d'expression. Et pour ma part, en fait, il vient de mon amour de la prestidigitation, en fait, des mécanismes de la magie. Les animations n'ont été utilisées que dans la mesure où elles servent l'histoire. Au début, on l'appelait le livre des merveilles, notre livre, parce qu'on avait envie qu'il y ait plein de petites merveilles dedans, des choses à ouvrir. C'était en fait. C'est une histoire très joyeuse, exprime ce qui pour moi est le plus extraordinaire dans la vie, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment on peut arriver à transformer la tristesse en joie. Le fait d'avoir un peu mal à la tête, et tout d'un coup il peut y avoir une clé magique qui est que papa dira tiens, on va aller manger une glace et on n'a plus mal à la tête. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est passer de l'un à l'autre, et cette spontanéité dans les sentiments, dans les émotions qu'ont les enfants. Comme disait un homme que j'aime beaucoup, il n'y a pas d'adulte, mais il y a des gens qui font de très gros efforts pour en avoir l'air et d'autres moins. Nous avons décidé d'offrir nos droits d'auteur à l'association Théodora pour financer les visites de ces clowns auprès des enfants hospitalisés.